In the south of France is a paradise called Provence. Its colors, its aromas, its climate are like nowhere else. From Berlioz to Picasso, the great artists and composers have come here to live and work, for Provence is as close to perfection as can be found. And its cuisine has a reputation equal to that of any of the artists who've come here. Sur la Côte d'Azur, c'est excellent dans une salade. Vous coupez des tranches fines de ces bêtes. Alors là, ce sont des fèves. Alors, il faut les écosser. Et vous avez la fève à l'intérieur. On va les émincer finement et puis on va les pocher juste un petit coup d'eau bouillante et ça va être craquant, ça va être super. On va prendre de l'huile d'olive. C'est une huile d'olive vierge, première pression à froid. C'est la meilleure qualité d'huile d'olive, c'est qu'elle est meilleure sur le marché. Côte d'Azur, the French Riviera with its high style and sophistication, its palace, hotels and casinos. But just 15 minutes up from Monte Carlo is another world. Aize Village is a magnificent medieval settlement perched on the Moyenne Corniche between Nice and Monaco. Its sheer cliffs drop straight into the Mediterranean, 1,300 feet below. Yeah. Do you know what that town is famous for? Oh. It's a little medieval town. It was one of the only towns that the Moors, you know, when the Moors took over Europe, never conquered. Because they closed down the gates and they lived off the goats who lived on the mountain. They closed down the gates of the city. They lived there for 40, 50 years, living off the strawberries and the vegetables and the goats. That's why it's called the Chèvre d'Or, the golden name, goat. Yeah, that's why, the golden goat, because it was never conquered by the Moors, that little town. The most romantic rendezvous imaginable is the Chateau Aize. Master Chef André Signoret creates here the magic that is la cuisine provençale. Pour ce repas, nous allons préparer une minute de saumon gratiné aux herbes fraîches. Alors nous allons prendre un petit peu de tapenade, c'est-à-dire du purée d'olive noire, que nous allons mettre au centre de l'assiette, à peu près la valeur d'une cuillère à café. Nous allons bien étendre. Nous allons couper notre saumon en escalope très fine. Alors l'idéal, c'est d'avoir un beau saumon de Loire. Alors nous allons étendre ce saumon dessus de cette tapenade. Entre-temps, nous allons préparer une mayonnaise avec des herbes fraîches, basilic, un peu de thym citron, un petit peu de cerfeuil. Et cette mayonnaise sera montée à l'huile d'olive. Au lieu de mettre une huile d'arachide, vous montez avec une huile d'olive. Vous assaisonnez le dessus du saumon avec du sel. Toujours du poivre. Alors, il est important que ça soit bien assaisonné, que ça soit relevé. Alors nous allons prendre cette mayonnaise à l'huile d'olive et herbes fraîches. Nous allons parsemer dessus à l'aide d'un pinceau cette mayonnaise. Et voilà. Alors nous allons passer à la cuisson. Alors pour la cuisson, nous avons la cuire sous salamandre. Alors, si vous n'avez pas de salamandre à la maison, vous faites ça dans votre four, position grill. Ce plat est très rapide en cuisson. 2 minutes sous la salamandre suffisent, puisque les escalopes de saumon sont coupées très finement. Il prend une couleur blonde, très jolie à voir. Voilà, il est cuit.
Alors, la finition se compose d'un petit bouquet de salade avec herbes. J'ai mis du thym citron, j'ai mis de la sarriette, un petit peu de ciboulette. Alors, vous le posez au centre de votre assiette, ce qui va donner toujours cette hauteur. Une petite feuille de basilic pour le goût, c'est très important. Le basilic, c'est la Provence, ça sent le... un peu de persil plat. Voilà. Toujours ces petites feuilles de ciboulette qui donnent toujours de la hauteur au plat. Et en sauce, nous avons fait une petite sauce pistou, c'est-à-dire basilic haché avec huile d'olive et un petit peu d'ail qui est mixé de tout ensemble et qui va agrémenter ce plat. Voilà. L'assiette est toujours chaude, attention, voilà. Pour l'entrée de ce repas, nous allons faire une enchoyade de légumes, herbes et salades du moment. Pour l'enchoyade, nous allons utiliser comme légumes des artichauts de pays, des carottes à la fane, des navets à la fane, des fèves, du fenouil. En herbe, du basilic, du thym citron, de l'estragon, de la menthe et de la ciboulette. En salade, du pourpier, de la riquette, de la trévise, du mesclun et des endives. Des légumes, l'artichaut. Ce sont des petits artichauts de pays, des petits artichauts violets, très tendres, juste quelques minutes d'ébullition et ils sont cuits. Voilà. Et je coupe un petit peu le bout là. Et je le fends par le milieu pour avoir une cuisson beaucoup plus rapide. Une petite carotte à la fane. On la taille en pointe pour avoir une présentation plus belle. À l'aide du économe, on l'épluche. On va la couper en lamelles très fines. Alors, même opération. On nettoie bien le haut des fanes. Après le navet, c'est plus uniquement au couteau. Nous tournons le navet avec un couteau. Nous allons couper les cébettes. Nous allons fendre la fane par le milieu. Nous allons éplucher les fèves. Alors, nous allons prendre les légumes, les cuire à l'eau bouillante, c'est-à-dire je fais chauffer de l'eau avec du sel et nous allons les cuire craquants. Au bout de 2 minutes de cuisson, nos légumes sont cuits, nous les enlevons avec l'aide d'une araignée. Alors, nous faisons un bouquet avec la salade et les herbes. Alors, il est important de faire un bouquet avec beaucoup de hauteur pour avoir un aspect plus agréable sur cette assiette. Voilà. Nous allons mettre les légumes sur cette assiette, les légumes qui ont été préalablement cuits à l'eau salée. Alors les carottes. Alors pour avoir une belle, un bel aspect, il faut les mettre en hauteur le plus possible. Les navets. J'ai des pointes d'asperges aussi. Alors il est important de, quand on cuit les légumes, de les rafraîchir un peu pour les légumes verts à l'eau très froide, ce qui garde cette couleur très vert, vertante. Pour la décoration, une cosse de petits pois. Pour l'assaisonnement de cette salade, il faut faire une anchoyade, c'est-à-dire que nous prenons des filets d'anchois avec de l'ail écrasé que nous pilons ensemble et que nous montons à l'huile d'olive. Et ça fait un genre de vinaigrette que nous allons mettre autour de, cette assiette.
Alors l'anchois qui est assez salé fait un goût agréable pour ces légumes de printemps. Alors il est important de ne pas trop saler les légumes puisque le sel est apporté par l'anchois. Alors, nous en dressons un petit peu à part. Pour la finition de cette assiette, on a fait une tuile de légumes. C'est-à-dire qu'on a fait un appareil à tuiles avec fécule, farine de pois chiche, eau et beurre. Nous avons coupé finement nos légumes et mis sur cet appareil et cuit au four sur une plaque Tefal. Nous le posons en dernière minute sur cette assiette, ce qui va donner un coup d'œil agréable à cette assiette. Voilà. I said, I don't want to go to Cannes, you know, Cannes is such like, what can you do in Cannes, really? I mean, there's beautiful women on the street, everybody has a party every night, you go see movies. Bacon, Moulin de Mougins, La Colombe d'Or, these dumps, you know, you get to eat in there, you get a couple of oysters and a glass of milk. You know, geez, it's tough, I'd rather be breaking stone in Southern California. So, in other words, you loved those restaurants. Yes. look at this, boats. Cars, you gotta slap yourself around here to make sure that, you know, there's a reality somewhere. Master Chef Jacques Chibois of the Royal Grey in Cannes has advice for us on the healthy way to use butter in great French cooking. Et vous savez, le beurre, il faut surtout butter must not actually be used to cook with, cuisson, but as a means by which to bring together a sauce, to complete et a sauce, of course without cooking the butter. Le meilleur produit qui puisse as when butter is not cooked, it is the best product available. Why? Because it is full of nutrients, vitamins such as A and C, which are very good for children and people on diets, as long as we don't use too much, of course. The importance, therefore, of cooking is to eat well, respecting nature's vitamins and minerals, trying as hard as possible to have natural products without additives or chemicals. Et avoir des produits naturels. Et non, notre ambition, nous, and our ambition as great chefs is to make people aware of the difference between good, healthy cooking and cooking which falls outside the rules of this art. Qui n'est pas fait dans la règle de l'art. Et c'est pour ça que la cuisine française, and that is why, of course, great French cooking is an art. In the hill country of Provence, up from Cannes and near Mougins, lies a hotel and restaurant that used to be a vintner's farm. La Vignette Haute, the little hillside vineyard, was completely restored recently by Jean-Jacques Meyer, a Paris businessman who saw its potential as a paradise, a place to really get away from it all, where stone and wood and water come together in perfect harmony. Interiors and rooms of its four-star hotel are appointed in the most authentic traditions of the region, and its kitchen under Master Chef Bernard Peters offers la cuisine provençale at its finest. Et maintenant, la farandole de viande grillée. And now we'll be doing an assortment of grilled meats with a herb sauce. Pour cela, nous avons besoin de tout un assortiment for de viande. For this dish, we need a selection fumée, of meats, de porc fumé, bacon, des chipolatas, chipolatas, du blanc de poulet, chicken, du magret de canard, duck, du filet de bœuf, beef, du filet de veau, veal, des noisettes d'agneau, and lamb. Pour la garniture, nous allons employer des courgettes. For the garniture, we're going to be using zucchinis and tomatoes. Avec les restants de viande, nous avons fait un petit jus. With the leftover pieces of meat, we make a meat stock. Tout un assortiment d'herbes. Herbs we'll be using will be chives, du cerfeuil, chervil, du plat, parsley, nous avons un peu de thym citronné, thyme, et de l'estragon. And pour tarragon. La nature, nous allons préparer un tiers de courgettes. For the vegetables, we'll be making a little vegetable pie. Ou des petits plats ronds, bien huilés d'huile d'olive. First, we take a little pot like this,
tout autour. Slice our courgettes and place them in a circle like this. Posons donc chaque each one dessous. Under the other. Ensuite, nous prenons les tomates. We take our sliced tomatoes next et nous posons and do the same thing, placing them in a circle. Évidemment, sur chaque couche, on pose un peu de sel. In between each layer, of course, et un peu d'huile d'olive. Place a little bit of salt and pepper and olive oil. On remplit bien le milieu également. Making sure we fill up the center. Olive oil, du sel, salt, du sel de Guérande, toujours de préférence. Sea salt if we can, et on recommence if we can use it. And then we start again the same process with the zucchini. Salt and, of course, the olive oil. On met cela au four. We place this in the oven 10 minutes, for around about 10 minutes, que les légumes soient cuits, or just until the vegetables are ready. Nous allons éplucher, then we take our herbs et, hacher. And then we chop them. Donc nos, l'estragon, tarragon, chervil, la ciboulette, et le thyme, on chives and parsley. We take them all like this, mix them up nicely. Et on mélange tout et on hache. And then we chop them. Pas trop fin, not too thinly and too small, because we want to keep the value of these herbs, the smell and the perfume. It's, we can smell them now, look. Oh. Then we cover our meat with a little bit of olive oil. It's used a great deal in Provençal cooking, as it is much healthier than animal fat. A little bit of salt. Pour faire des bonnes grillades, il faut d'une for part a good grill, propre, we need two things. Et un peu, it has to be trop clean ni trop chaud non plus, and not too cold and not too hot. It has to be just right. Appliquer un joli quadrillage, de façon que la viande soit quand même appétissante. Vérifiez bien car les cuissons be careful when cooking the meats, that each meat is cooked to its own specifications, as all these meats cook differently. Maintenant que nous en avons tous nos éléments, nous allons now dresser we have all our notre plat. Elements, all our assorted grilled meats. We're going to place the courgettes, the zucchini, and tomatoes on our plate. We take off the juice we don't need, et on va le démouler sur l'assiette. And we place in the center of the plate. D'un seul coup, hein. In one go, like that. You see this? Voilà. So it's autour, it maintains its structure. Nous allons disposer nos viandes. Et avant de dresser, nous allons before we put un coup our de meat moulin, around the vegetables, we give it a little bit of a coating in black pepper, which brings out the flavor much more. We then take our pieces of meat like this and arrange them delicately around the plate. Hello. Pour la sauce, on reprend notre jus de veau. For the sauce, we take our meat stock. Nous y ajoutons nos herbes. We add in our herbs. Bien mélangées. Well mixed together. On peut bien y mettre des herbes, hein? Of course, sir. Don't be afraid to put the herbs in there, et as much as you like. Quelques gouttes and a de little vinaigre bit of sherry vinegar, which will bring out the flavor of the sauce. Voilà. Ils vont relever le tout. Bien mélanger de façon formée. Of course, mix this very well. Bien homogène. So it's nice and even. Et on nappe l'assiette. And cover voici the plate like this. And there we have it, our mixed grill. Acidulé aux herbes tendres, with herbs, accompanied by a little vegetable pie. Et maintenant, nous allons préparer la salade de fraises et citron du pays. Pour ça, nous avons besoin tout simplement de fraises et de citron du pays, un peu de sucre, et également, ce plat peut être accompagné de quelques macarons. On commence par faire prendre un citron. Et en récupérer la peau. Avec un économe, bien sûr. Avec le reste du citron, on va les récupérer pour faire un jus de citron. On récupère les écorces. Et nous allons les couper finement, en fines petites lanières. Et qu'après, nous allons mettre à confire dans de l'eau avec du sucre.
Le citron du pays a la particularité d'être un citron très doux. Là, nous avons mis dans la casserole un peu d'eau, des zestes, et nous rajoutons du sucre. On peut y rajouter bien du sucre, bien sucré. Avec le jus de citron, nous en parlions tout à l'heure, nous récupérons pour moitié de jus de citron, pour un litre de jus de citron, 1 kg de sucre, dont nous mélangeons également de la pectine, qui est un liant. Nous portons à ébullition et dès que ça boue, nous mettons à refroidir. On enlève l'écume qu'il y a dessus et nous obtenons ceci. Une sauce onctueuse. Maintenant, nous allons prendre nos fraises. Ceci sont des fraises de Provence qui viennent de la région de Carros. Nous les coupons en quartiers. On enlève le pédoncule. Nous allons dresser 3 petits dômes de fraises. Sur nos fraises, nous allons mettre un peu de nos zestes pour donner un petit peu d'amertume à la salade. Sur le côté, nous mettons nos petits macarons qu'on peut trouver facilement chez un pâtissier. La gelée de citron, on nappe les fraises avec la gelée de citron, enfin de façon à bien enrober les fraises de cette gelée. Alors cette salade peut être également accompagnée d'une boule sorbet de citron. Et pour finir, la petite feuille de menthe. Wander beside the medieval swimming pool and breathe an air that comes from a meeting of the Mediterranean Sea down the hill and the Maritime Alps further up, and the perfume of the lavender that grows everywhere in this part of France. It's a time and place to leave everything aside and live in harmony with nature's art and man's. Shall we join the others at the restaurant for dessert and a minstrel serenade? I'm not afraid to die.